Good morning, allez, Yiden, les titres aujourd'hui de l'Unishmat Abraham Chaye Norbert, Ben Fortune Mazal, Yedida Batester, Chaya Batoba, Ramim Ben Rosa, si vous êtes aussi une prochaine étude de Mishnah, connectez sa communauté éternelle. Nous étudions la Sechet Bechorot, Père Ekret, Mishnah Gimel, Mi Shelo Bikra Ishto, Veyalda Shnei Zecharim, Noten Chamesh Slaim Lakoin, Metechad Mehem, Betoch Shloshim Yom, Haav Patur, Meta Av Veabanim Kayamim, Rabbi Meir Omer, אם נתנו עד שלא חלקו נתנו ואם לאו פטורין רבי יהודה אומר נתחייבו נכסים זכר ונקבע אין כאן לכהן כלום. On commence à traduire directement. On est en train de parler bien évidemment du pidyon ben, du devoir de racheter le premier-né dès qu'on a un premier-né garçon qui a ouvert la matrice de la mère, donc Peter Rechem. Alors, on a le devoir de racheter, on donne 5 slimes, la valeur de 5 slimes, 5 pièces d'argent de l'époque. C'est un cours en argent, je n'ai pas vérifié, mais en tout cas, on donne donc l'équivalent au Kohen. D'accord ? On commence notre Mishnah qui nous parle d'un cas particulier, Mishelo Bikra Ishto. Si un homme avait une femme qui, donc, n'avait pour le moment jamais enfanté. Veyalda Shnei Zecharim. Et puis, elle a accouché, elle a eu 2 garçons, très bien, Mazal Tov, des jumeaux. Ce qui s'est passé, il y a un petit problème technique en fait, qui n'est pas précis dans la Mishnah, mais qui est essentiel pour comprendre toute la suite, c'est qu'on parle en fait que, bien évidemment, ils sont nés un après l'autre, mais qu'après, on a un peu perdu le fil qui était l'aîné, qui était le deuxième. On s'est embrouillé, d'accord? Ça arrive, d'ailleurs à l'époque, comme c'est expliqué explicite dans la Torah, avec quand Yehuda, il a eu les 2 garçons, Peretz et Zarach, dès qu'il y a le premier qui naissait, on lui attachait tout de suite un fil rouge, ou peu importe, un fil, on lui collait tout de suite un signe distinctif, comme ça on reconnaît ensuite qui est l'aîné et qui n'est pas l'aîné. À notre époque aussi, on fait ça à l'hôpital, on met directement le petit bracelet, comme ça, on ne change pas avec le bébé du voisin. Et donc maintenant, là, ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à que la sage-femme revienne, et qu'elle mette le petit fil, elle s'est embrouillée, on ne sait plus qui est l'aîné, d'accord? C'est de ça qu'on parle. On va parler donc de 2 à 3 cas de figure en fait, quand il y a 2 garçons, et quand il y a ensuite un des 2 garçons, mais qui est décédé ou qui n'est plus là, et puis après, à la fin de la Mishnah, on va parler du cas où il y avait un garçon et une fille. Donc, Mishelo Bikra Ishto, si un homme avait une femme qui n'avait pas encore jamais accouché, Vealda Shnei Sharim, et elle a accouché de 2 garçons, deux jumeaux, un qui est aîné et l'autre qui est le deuxième. Et ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas qui est l'aîné. Eh bien, c'est pas grave. Parce que de 2 choses l'une, tu dois, quoi qu'il arrive, noten chamesh slaim la Kohen. Le père devra donner, quoi qu'il arrive, 5 slaim au Kohen. Parce que de 2 choses l'une, si c'est Reuven, alors il doit donner 5 slaim. Si c'est Shimon l'aîné, il doit donner 5 slaim. On a les 2 qui sont là. Donc il donne 5 slaim. Pour qui ce sera? D'accord? Pour le moment, tout va très bien. Mais là, la Mishnah, ça va se compliquer. Met echad mehen betoch shloshim yom ha'av patur. Si ensuite il y a eu un des 2 bébés qui est décédé dans les 30 jours, alors le père sera dispensé de payer les 5 slaim au Kohen, c'est-à-dire selon la règle bien connue, hamotzi mechaverol ala avaraya. Chaque fois qu'on a un différend d'argent, celui qui va réclamer à l'autre, c'est à lui de rapporter la preuve. De ce fait, le père avait le Reuven et Shimon. Peut-être une donnée que pas tout le monde sait, mais c'est qu'un enfant qui décède dans les 30 jours de sa naissance, le père est dispensé du pidyon haben. La Torah a dit qu'on fait le pidyon haben qu'à partir du 30e jour. Donc si l'enfant meurt dans les 30 jours, il n'y aura pas de misère de pidyon haben. S'il meurt après les 30 jours, alors le père avait une dette. Il devra le payer quoi qu'il arrive, même si l'enfant meurt ensuite. Mais s'il meurt dans les 30 jours, donc il est dispensé. Donc ce qui se passe maintenant, c'est qu'il a 2 enfants. Il y en a un des 2 qui est Bechor, on ne sait pas qui il est. Après, malheureusement, un des 2 décède dans les 30 jours. Alors dans ce cas-là, par rapport aux différents d'argent, le père il va dire au Kohen, écoute, celui qui reste, c'est peut-être pas le tien, c'est peut-être pas le Bechor, peut-être que c'est le Bechor qui est décédé, et là c'est le deuxième. Dans le doute, qu'est-ce qu'on fait? Grande règle, celui qui détient l'argent, eh ben, il ne payera pas dans le doute. D'accord? C'est la grande règle que de Amotim Rabar à la Varaïa. Ok? Maintenant, on revient au cas où il y a les 2 enfants qui sont devant nous, mais qu'après il y a eu une suite à ça, c'est que Met Ha'av Va Banim Kayamim. Le père, lui, il est décédé, il n'a pas le temps de faire le Pidyon HaBen,
et les enfants sont encore là devant nous. Et bien évidemment, ils vont devoir hériter les biens du père. Et il va y avoir une petite finesse. Ça se trouve dans Rabbi Meir, la petite finesse, tandis que Rabbi Yehuda, il est plus clair. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord expliquer Rabbi Yehuda, on aura la base claire, et puis après on va revenir sur Rabbi Meir. Je traduis d'abord Rabbi Meir, donc je reprends la scène. Il y avait Yaakov, il a eu deux jumeaux, Reuven et Shimon. Un des deux est l'aîné, mais on ne sait pas qui est lequel des deux. Et ce qui se passe, c'est qu'après le père, il est décédé. Et maintenant, on a Reuven et Shimon et tous les biens de Yaakov qui sont devant nous, à savoir, donc, est-ce qu'il va devoir payer les 5 slaïms. Alors, Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir enseigne, « Im natnu ad shelo chalku natnu » Si ils veulent donner tant qu'ils n'ont pas encore partagé les biens, alors qu'ils donnent, ils doivent donner en fait. Tandis que Ve'im lav, par contre, s'ils ont déjà partagé les biens, alors Pturim. C'est-à-dire Rabbi Meir, il nous dit comme ça. C'est une notion qu'on avait déjà découvert un petit peu dans ma Baba Tras, c'est la notion de Tfusat Abayit. C'est-à-dire, lorsque le père décède et qu'il laisse des biens devant les héritiers, tant que les héritiers ne partagent pas, pour le moment, on considère que c'est encore le père qui est là et qui détient les biens. Même s'il est mort, les biens sont encore les biens du père. Après, quand les enfants vont se partager, alors là, ça va devenir différent. Il va y avoir des nuances, des finesses, c'est ce qu'on va justement parler dans cette Mishnah. Mais en tout cas, ce que Rabbi Meir me dit, tant qu'ils n'ont pas partagé, ben on a les biens du père. Le père, il avait une dette de 5 slaïms, et ben les biens, prends les biens, tu prends des biens, tu sors 5 slaïms, tu vas les donner au Cohen. Mais si toutefois, ils ont déjà partagé les biens, ils ont dit, toi, Reuven, ben tu vas prendre maintenant 40 slaïms. C'est ce qu'il y avait, de l'argent, il y avait des biens mobiliers, immobiliers, tout ce que vous voulez, ils ont tout partagé en deux. Et bien là, c'est fini, la dette, elle s'est dilapidée, elle s'est évaporée. C'est pas qu'elle s'est annulée. Le père, il a une vraie dette, mais il n'y a plus de père et il n'y a plus de bien. Voilà ce qu'il y a écrit dans Rabbi Meir. C'est un peu flou, c'est vraiment expliqué. Mais d'abord, on va lire Rabbi Yehuda, même mieux, on va même finir la Mishnah, comme ça on aura conclu avec la Mishnah, après on va revenir dessus. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non, ni traïvois ni chassim. Les biens qui sont présents devant nous, ils ont ni traïvois ni chassim. Il y a eu ils ont été hypothéqués pour cette dette, donc ils devront les payer quand même. C'est-à-dire Rabbi Yehuda, en fait, il est cholek, il n'est pas d'accord avec la différence que Rabbi Meir l'a fait. Rabbi Meir, il nous a dit qu'une fois qu'on a partagé les biens, c'est fini. Rabbi Yehuda vient et te dit, même lorsqu'ils ont partagé les biens, la dette, elle est encore fixée sur les biens, ils devront encore payer. Pour le moment, c'est le flou total, c'est vrai. Je finis juste la Mishnah, il me reste Zacharon Keva Enkan la Kohen Klum. Si toutefois, la mère, elle a accouché, mais il y avait quoi? Il y avait un garçon et une fille, il y avait des jumeaux, on ne sait pas. Qui était l'aîné? Si c'est la fille, il n'y a pas de pidyonamène. Pidyonamène, c'est que pour les garçons. Et si c'est le garçon, donc c'est lui le premier, il faut payer. Dans le doute, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Enkan la Kohen Klum, le Kohen ne pourra rien réclamer. Dans le doute, il ne pourra pas réclamer de l'argent. On revient maintenant, on met le zoom sur la scène donc, du père qui décède et qui laisse les biens. Il faut connaître quelques petites règles en fait. Premièrement, notion de milvé alpé et milvé bishtar. On différencie dans la Torah une dette qui est engagé avec un contrat, et une dette qui est une dette orale, où il y a même des témoins, mais il n'y a pas eu de contrat. La différence essentielle, elle est par rapport au shi'ibud nechassim. Je vous donne la halakha très simplement. Reuven me prête Yaakov, puisqu'on a parlé de Yaakov. Yaakov me prête, non, plutôt moi, je lui prête de l'argent à Yaakov. Je prête de l'argent à Yaakov. 10 000 shekels, il me fait un contrat. Alors, premièrement, donc on est en ce moment, on est le 1er Nissan, le 15 Nissan, 30 Nissan. Et dans 3 mois, Yaakov va vendre sa maison à quelqu'un, à Avraham. Dans 4 ans, Avraham, il va vendre la maison à Yitzhak. Au bout de 16 ans même, moi je vais voir Yaakov, je lui dis, bon, t'as une dette maintenant depuis 16 ans, j'en ai marre, tu dois me payer ici, tu me dois mes 10 000 shekels. Il me dira, j'ai pas de bien. Je dis, bon, d'accord, regarde ce qu'il y a écrit ici, Nissan Tafshina Intet. Donc, depuis cette date de Nissan Tafshina Intet, j'ai un droit d'hypothèque sur les biens qu'il avait à cette date-là. Donc même s'il a vendu le bien à Avraham pendant 15 ans, après Avraham il a refilé à Yitzhak, et après, eh bien moi je vais voir, je lui dis, écoutez-moi, c'est moi par rapport depuis cette date, eh bien, j'ai un droit de saisir cette maison-là. D'accord? Ça, c'est quand c'est un bien qui a un contrat
écrit. Lorsque c'est un contrat, lorsque c'est une dette à l'oral, même si j'ai des témoins, alors la règle, elle me fixe que milvé alpé, l'homme aussi mille kuchot. Si j'ai fait un milvé alpé, une alva alpé à oral, que je vais prêter de l'argent, mais avec, juste avec des témoins sans preuve écrite, il y a des preuves, des témoins, mais il n'y a pas de preuve écrite. Alors c'est le principe est que ça fait moins de bruit, mais on ne va pas trop rentrer dedans, sinon ça va, on va trop s'étaler. Mais en tout cas, puisqu'il y a juste, il n'y a pas de preuve écrite, il y a juste un. Je vais donner l'argent avec des témoins. Donc c'est une, ça fait moins de bruit. Donc Ramim, on fait une takana que tant que le bien il est chez lui, je le prends, mais s'il a revendu le bien à quelqu'un d'autre, je ne pourrais plus aller le saisir. D'accord ? C'est la règle à retenir. Milve alpe, motzin. Milve bishtav, motzin milekuchot. Milve alpe, lo motzin milekuchot. Principe clair, on continue. Maintenant, nouvelle situation. C'est compliqué, je ne sais pas pour vous. Ça va être simple, regardez. Et maintenant, lorsque. D'abord, deuxième notion, quelque chose de simple. Une dette que la Torah m'a imposé de payer, c'est considéré comme une dette orale, avec des témoins à l'oral, quoi, mais pas une dette écrite. Même si c'est écrit dans la Torah, c'est une discussion. Mais la Torah, aim kekto abishtar damia, lo kekto abishtar damia. Est-ce qu'une dette qui est écrite dans la Torah, est-ce que c'est considéré comme une dette à l'oral ou une dette avec des témoins oculaires, ou bien une dette comme si elle était écrite, parce qu'elle est écrite dans le parchemin de la Torah, ça aurait pu être comme un milvé bishtar. Et là, la Mishnah, elle va selon l'avis que tout le monde pense ici que une dette qui est écrite dans la Torah, c'est considéré comme une dette avec des témoins orales et pas avec un contrat. De ce fait, si j'ai un engagement, je dois payer le pidyon aben. Et j'ai une maison pour le moment. On va prendre un cas simple. Pour le moment. Je dois payer pidyon aben. D'accord ? Le fils est né depuis maintenant, Adar. On a passé les 30 jours. J'ai déjà une dette. Et puis demain, je vais vendre ma maison. Le Cohen, il va venir me voir ensuite. Il va me dire, bon, tu dois un pidyon aben. T'as eu un fils, t'as 2 jours pas payé. Je lui dirai, j'ai plus de bien. Est-ce qu'il aura le droit de partir chercher chez l'acheteur en disant, il a une dette là depuis Adar, Nissan. Il a une dette de 5 slimes sur le bien, réponse, non. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de contrat écrit. D'accord ? Parce que ce qui est écrit dans la Torah, c'est considéré comme une dette à l'oral. Pour le moment, c'est clair. On a introduit 2 notions, donc. C'est quoi une dette ? À l'oral, milvé alpé, c'est-à-dire que ça a été juste à l'oral, ça a été dit, mais il n'y a pas de preuve écrite, il y a juste des témoins. Et milvé bishtar, on a dit que milvé bishtar, on prend des kuchot, et on a aussi dit que la mitzvah de pidyon aben, ça n'engage pas ça ne fait pas d'hypothèque sur les biens. Maintenant, nouvelle situation. On continue. Maintenant, lorsque le père décède, Yaakov, lorsqu'il décède, il a une dette à l'oral, donc il doit 5 slaïm, mais il n'y a pas de preuve écrite. Selon ce principe, tant que les biens ils sont devant nous, tels quels, c'est les biens d'Yaakov, ce n'est pas les biens des héritiers. Si toutefois les héritiers, une fois qu'ils ont reçu les biens, ils les ont donnés à quelqu'un d'autre, ils les ont revendus, on va prendre un cas par exemple, il a revendu le bien à quelqu'un d'autre, eh bien c'est fini. Ce sera plus le bien de Yaakov, c'est devenu le bien du nouveau titulaire. En théorie, maintenant, on va commencer maintenant par Rabbi Yehuda et on va découvrir ce qu'il y a. C'est pour le moment, c'est assez facile Rabbi Yehuda à comprendre. Lorsqu'il y a deux frères, Reuven et Shimon, vous vous rappelez, les 2 enfants de Yaakov. Yaakov décède, il laisse des biens, il laisse 1 million de shekels en biens. Il partage tout moitié-moitié. Question, lorsque Reuven et Shimon, chacun va prendre la moitié, est-ce qu'ils sont devenus et Achin Shechalku? Les kuchot hen ou yorshin hen. Est-ce qu'on considère qu'ils sont des héritiers ou bien est-ce qu'ils sont des comme si qu'ils avaient acquis? La notion est plus délicate. On va commencer avec Rabbi Yehuda, c'est beaucoup plus facile. La notion selon Rabbi Yehuda, c'est que ce sont des héritiers. C'est-à-dire que finalement, quand Reuven va prendre la moitié des biens de Yaakov, c'est pas les biens de Reuven, c'est les biens de Yaakov. Reuven est la continuité de Yaakov, donc il continue Yaakov, mais pour le moment, on voit Yaakov dans les biens. De ce fait, Reuven doit la moitié des biens. Idem, c'est-à-dire il doit la moitié de la dette par rapport au bien. Idem pour Shimon. C'est-à-dire, le père il avait une dette de 10 000 shekels, il a laissé 1 million, un champ qui valait 1 million. Ils l'ont coupé en deux, 500 000. Oui. Maintenant, vient Abraham et dit, votre père là, Yaakov, il me devait 10 000 shekels. Donc ça fait, vous êtes deux frères, 5 000. Et bien il sera en droit de prendre les biens de les 5 000 de chez Reuven et 5 000 de Shimon. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas les biens de Reuven et de Shimon. C'est les biens de Yaakov.
Maintenant, imagine, regardez maintenant une situation originale. Une fois qu'ils ont fini d'hériter, finalement, Reuven et Shimon, ils font un deal entre eux. Ils disent, tu sais quoi, viens, on échange nos parts. Je te fais cadeau de ma part et toi tu me... Je te donne ma part en contrepartie que toi tu me donnes ta part. Eh bien, désormais, ce ne sera plus les biens de Yaakov, ce sera les biens de Reuven et Shimon, parce que cette fois-ci, ils auront acquis. Parce que tant qu'ils n'avaient pas partagé les biens, c'était les biens de Yaakov. Tant qu'ils avaient partagé uniquement les biens, selon Rabbi Yehuda, c'est encore le bien de Yaakov, mais dès qu'ils ont refourgué ça à quelqu'un d'autre, c'est fini, c'est plus le bien de Yaakov, c'est devenu le bien de l'acheteur. Donc de ce fait-là, ils auront réussi à échanger. Le principe est clair, grâce à ça, ça me permet de comprendre Rabbi Meir. Pour le moment, on refixe bien Rabbi Yehuda. Le fait que le Cohen, que le père, il devait 5 slaïms, c'est une dette à l'oral. Lorsqu'ils ont reçu les biens du père, ils les ont partagés en deux, c'est encore une dette à l'oral, mais ils ont les biens du père dans les mains. Donc le père, il a une dette, il va prendre 2,5 de lui et 2,5 de lui. Si toutefois, ça leur prenait une folie d'échanger leurs biens, eh bien, c'est fini. C'est plus les biens de Yaakov, c'est devenu les biens de Reuven et de Shimon qui ont échangé, que maintenant, ce qu'il a à Reuven, ça appartient à Reuven, c'est aucun rapport avec Shimon, avec Yaakov, et idem avec Shimon. Selon ce principe, maintenant, on va découvrir un Rabbi Meir qui nous dit quelque chose de super intéressant. Il pense que en rera. C'est-à-dire, on a posé comme point de départ que pour Rabbi Yehuda, lorsqu'ils vont se partager les biens, eh bien, ça s'appelle que Reuven, il continue Yaakov. Et Shimon, il continue Yaakov parce qu'ils ont eu chacun la moitié des biens. C'est-à-dire qu'en fait, on considère que, quelque part, le père qui avait, on avait dit, 1 million à faire hériter à ses enfants, eh bien, c'est comme si qu'il avait dit, tu sais quoi, je te donne, moi, 500 à toi, et 500 000 à toi, et 500 000 à toi. Donc, c'est le père qui continue. Selon Rabbi Meir, ça ne se passe pas comme ça. Il est vrai que chacun, il aura une part de 500 000, mais on ne sait pas où est-ce qu'elle est, cette part. Peut-être que la part est là-bas, peut-être que la part est là. On ne sait pas où est-ce qu'elle est. Le père, il n'a pas défini. Étant donné que le père est là, il a rien défini, il n'a pas dit toi tu prends la partie du champ à droite et l'autre la partie à gauche. Même d'après Rabbi Yehuda, il n'a pas défini. Sauf que d'après Rabbi Yehuda, on va considérer que lorsqu'il va prendre la partie de droite, eh bien, il a pris ça du père, c'est l'héritage du père, et l'autre, il louit. Ben, d'après Rabbi Yehuda, ça se passe pas comme ça. Depuis le moment où le père décède, chacun des enfants, il a une part quelque part, indéfinie, on ne sait pas où est-ce qu'elle est, plutôt définie sans qu'on sache où est-ce qu'elle est. Et de ce fait, lorsqu'ils vont finalement décider que, bon, il faut bien, on va pas rester à vivre toute notre vie ensemble, viens, on se partage. Toi, tu prends la partie de droite et moi, je prends la partie de gauche. Selon Rabbi Meir, on va considérer que la partie de droite que tu vas prendre, eh bien, en réalité, c'est pas que c'est la partie qu'il hérite du père. C'est que c'est probablement la partie que Reuven, il a hérité, qui décide de donner à Shimon, en contrepartie que Shimon, il va lui redonner sa deuxième partie. D'accord? J'espère que ça a été assez clair. Et de ce fait, donc, finalement, maintenant on est revenu au cas, je finis juste conclu. C'est-à-dire, finalement, donc, Reuven avait hérité une partie qu'on ne sait pas où est-ce qu'elle est. Shimon avait hérité 500 000, on ne sait pas où est-ce que c'est. Ils se sont partagés, lorsqu'ils sont partagés, ils ont dit en réalité, viens, moi je te donne toutes mes parts que j'ai dans l'un, je te les donne, et toutes les parts que toi tu as dans l'autre, tu me les donnes à moi, comme ça on peut se séparer. Et une fois qu'ils ont fait ça, alors il s'avère que maintenant, Reuven, il a acquis de Shimon, il n'a pas hérité de Yaakov. Et Shimon, il a acquis de Reuven, il n'a pas hérité de Yaakov. De ce fait, les dettes qu'il avait Yaakov, alors l'hypothèque qu'il avait, eh ben, elle va s'évaporer, elle ne va plus rester dans le champ. Et en l'occurrence, donc, ils ne devront plus payer la dette des 5 slaves. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine d'Aslachakol, tout ça.